Restez aussi près des eaux. Ne sortez pas de la parole pour aller chercher votre femme dans le monde. Trouvez-la dans la parole. Restez près des eaux, c'est là où Dieu vous bénira.
allons essayer de gagner le temps. Pour cela, nous allons nous lever pour lire une portion de la parole. Dire quelque chose avant de bénir ce mariage. Juste avant cela, pendant que vous êtes debout, nous allons offrir un mot de prière. Dieu, notre Père, nous voici rassemblés en ce lieu à l'occasion d'un mariage. Nous te soumettons toutes choses afin que tu sois l'alpha et l'oméga de la cérémonie qui se tient ici et que tu bénisses chaque chose au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ouvrons à deux endroits de la Bible. D'abord, dans Deutéronome au chapitre 5. Deutéronome au chapitre 5 et nous allons lire le verset 21. Ensuite nous prendrons Genèse chapitre 2, Genèse 2, et nous lirons le verset 18. Commençons donc par Deutéronome au chapitre 5 et au verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras pas la maison de ton prochain. Ni son champ. Ni son esclave. Ni sa servante. Ni son bœuf. Ni son âne. Ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Amen. Amen. Pour vous asseoir, merci. Pendant ce temps, nous prenons Genèse, chapitre 2, et le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, qui soit semblable à lui. Amen. Amen. Aujourd'hui, à l'occasion de ce mariage, je voudrais parler sur ce que nous venons de lire dans le Deutéronome, au chapitre 5 et au verset 21. Sur le dixième commandement. C'est le dernier des commandements que Dieu avait donné par la bouche de son prophète Moïse. Mais avant cela, étant donné que ce commandement traite également de la question du mariage, je voudrais d'abord que nous puissions faire un tour dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, et voir comment est-ce que Dieu a donné à l'homme sa première femme, son épouse. Et le passage que nous venons de lire dans Genèse 2, verset 18, s'ouvre par ces mots. L'Éternel Dieu dit. Ceci est clair et sans équivoque que du point de vue de la Bible, en matière de mariage, c'est Dieu qui est le législateur. C'est Dieu qui a établi le mariage. C'est Dieu qui a commencé avec le mariage. Et donc c'est lui qui en est le législateur, qui a établi les règles et comment cela doit fonctionner. Et il est dit, l'Éternel Dieu dit. Comment on pouvait dire? Dieu dit. Nous remarquons donc que c'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit et qui dicte en tant qu'auteur du mariage, en tant que celui qui a établi le mariage. Il nous donne ses commandements et toute personne qui veut jouir du bien-être du mariage, en tout cas de tous les bienfaits du mariage, ne doit donc pas ignorer le mode d'emploi établi par Dieu. Le commandement de Dieu n'est pas pénible, comme on se l'entend dire un peu partout. Le commandement de Dieu n'est pas un casse-pied.
Mais le commandement de Dieu représente en quelque sorte une sorte de balise qui délimite un terrain, comme par exemple les voies de ski. En d'autres termes, si vous voulez jouir de tous les bienfaits du ski, vous devez faire mieux de pouvoir donc naviguer, rester dans les limites établies par les balises. Et ici, dans l'histoire du mariage, nous avons l'une des balises établies par Dieu. C'est donc cette question du dixième commandement, le dernier de tous les commandements. Et le premier qui dit: tu verras le Seigneur de tout ton cœur. Mais le dernier parle de son prochain. Mais en parlant de son prochain, il est dit qu'il est question de ne rien prendre qui appartient à ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras pas la maison de ton prochain. Ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni autre chose qui soit à ton prochain. Tout ce qui appartient à ton prochain, tu n'as pas à y toucher. Voilà le dixième commandement, le dernier des commandements, et celui sur lequel nous parlons ce soir. Alors, d'un côté, c'est une protection pour les autres, et d'ailleurs pour tous. Si vous avez l'assurance que la femme que vous avez épousée ne sera touchée par personne à cause de la loi ou du dixième commandement, et bien ça vous met en sécurité, ça vous protège, et ça protège aussi votre foyer et votre femme. Et de l'autre côté, c'est une garantie de bien-être. Si vous savez que votre femme ne sera pas prise par quelqu'un d'autre, alors vous savez que vous pouvez aller travailler, vous pouvez aller en voyage, vous pouvez vous absenter, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Votre femme sera là à vous attendre. Et quand vous viendrez, vous n'aurez même pas un interrogatoire à lui faire subir. Parce que vous savez que selon la loi, elle n'était pas censée être touchée par quelqu'un d'autre. Et en tant que chrétienne respectueuse de la loi, elle n'a donc pas enfreint ce commandement. Et cela doit être la même chose pour l'homme aussi. Il est donc dit qu'il n'est pas question de toucher à la femme de son prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Tu ne toucheras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne porteras pas la main. Mais arrêtons-nous un instant sur la femme de son prochain. Parce que j'espère bien qu'à l'occasion de ce mariage, le frère Destin n'est pas venu nous présenter la femme de son prochain, mais qu'il est venu avec sa propre femme. Parce que sinon, il va nous faire courir un grand risque devant les hommes, devant la loi et devant Dieu. La femme de ton prochain, c'est cette femme qui est liée à ton prochain par un mariage. Ce mariage peut avoir été coutumier. Tout simplement, kaka, c'est déjà la femme de ton prochain. Y a quelqu'un qui t'empêche d'engager. Ce mariage peut avoir été un mariage à l'état civil. C'est déjà la femme de ton prochain. Ce mariage peut avoir été un mariage religieux. C'est la femme de ton prochain. Peu importe à quel niveau ils ont été
Dans leur lien de mariage, c'est déjà la femme de ton prochain. La femme de ton prochain peut également être celle qui est attachée à ton prochain par fiançailles, parce qu'elle est déjà fiancée à quelqu'un d'autre. Ça devient la femme de cet autre là. On ne peut pas la toucher. Donc vous ne pouvez pas aller ravir une femme déjà fiancée, nous l'amener ici pour qu'on bénisse votre mariage. C'est la femme de ton prochain. Le 10e commandement l'interdit. La femme de ton prochain peut être aussi cette femme qui est liée à ton prochain par un vœu. Ils ne se sont même pas encore présentés auprès des parents. Mais dans le secret, ils se sont promis mariage tous les deux. C'est un vœu. Et les deux étaient sincères. Ils s'étaient engagés. Même si officiellement, nous ne sommes pas au courant, les parents ne sont pas au courant, l'État ne les connaît pas, mais Dieu les connaît. Et si vous prenez une femme comme ça, qui a déjà une promesse de mariage avec un autre, vous la ravissez par quelque voie que ce soit, peut-être par l'argent. Vous achetez sa conscience. Ou par un baratin. Parce que dans cet âge, les gens en sont devenus maîtres. Par un discours flatteur. Et que vous l'amenez ici pour qu'on bénisse votre mariage. Vous avez volé la femme de votre prochain. La femme de ton prochain peut aussi être tout simplement celle qui vit en cohabitation avec un homme. Les parents ne connaissent rien. L'État ne les connaît pas. Ils vivent maritalement. Comment on dit des marios? Ou c'est le mari qui rentre chez la femme? C'est la femme qui rentre chez le mari. Ils ont décidé seuls de commencer leur vie commune. Si vous ravissez cette femme-là, même si les parents ne connaissent pas, l'État ne les connaît pas, l'Église ne connaît pas, mais si vous ravissez, c'est la femme de votre prochain. Ils n'ont pas encore tout fait. Peut-être parce que les moyens font défaut. Il y a des difficultés. Mais elle est déjà la femme de cet homme-là. Si elle a même accepté de partager le même toit que cet homme, c'est que quelque part, ils se connaissent, ils s'aiment, et ils ont bien l'intention de faire vie commune. La ravir, c'est ravir le cœur de cet homme. C'est lui faire du mal. C'est briser le 10e commandement. Et il faut aussi dire que la femme de ton prochain peut être tout simplement celle qui est amoureuse déjà d'un autre homme. Et cet homme-là aussi est amoureux d'elle. Mais il n'a encore rien fait pour se montrer, pour s'engager. Il s'aime tout simplement. Et de temps en temps le matin, chacun essaie de réveiller l'autre pour vérifier comment il s'est levé, comment s'est passé la nuit. Il s'aime déjà bien. Et toi tu arrives, moyennant je ne sais pas quoi, tu détournes cette femme. Elle arrête d'aimer celui qu'elle aimait pour
s'attacher à toi. Tu as alors ravi la femme de ton prochain. Je voudrais croire que ce n'est pas le problème que nous avons ce soir. Que frère Destin n'a pas pris la femme d'un autre. Mais c'est bel et bien sa propre femme qu'il est venu nous présenter. Alors, si c'est votre propre épouse, la loi vous autorise de vous marier. Parce que vous l'aimez. Vous lui avez dit que vous l'aimez. Maintenant, vous allez voir les parents. Vous allez vers l'État. Et vous venez à l'église. Pour chercher à vous approprier cette femme. Maintenant, le problème qu'il faudra aussi regarder, c'est que la femme que vous avez aimée et que vous êtes en train de vouloir partager. Donc vous voulez partager la vie avec, eh bien, en vous approchant d'elle, il est fort possible que vous puissiez vous approcher d'une femme qui a déjà d'autres amants. Donc pendant qu'elle se met avec vous, elle continue à voir d'autres personnes. Ça c'est extrêmement dangereux. Alors là il y a un problème. Où c'est vous qui rentrez sur la terre de quelqu'un d'autre? Où ce sont les autres qui rentrent sur vos terres et qui essaient d'embrouiller votre femme? Vous devez être sûr que votre femme vous aime vraiment et que vous aussi vous l'aimez vraiment et que vous voulez partager la vie ensemble. C'est pourquoi il est dit que le mariage doit être établi sur une base. La base c'est l'amour. J'aime cette femme là, elle-même aussi elle n'ira pas partager son corps avec quelqu'un d'autre, mais elle restera avec moi parce que nous nous aimons et nous nous sommes promis mariage, fidélité et tout et le reste. Et vous devez donc être sûr de cette base-là, de cet amour. Parce qu'il est possible aussi qu'on se rapproche d'une femme, mais elle ne vous aime pas vraiment. Elle accepte de vous épouser, mais par pitié. Parce qu'elle a pitié de vous. Vous avez cherché, cherché, vous ne trouvez pas. Par pitié, elle accepte. Tout mariage par pitié ne marche pas. Il faut que ce soit un homme que vous aimez. Il faut que ce soit une femme que vous aimez. On n'épouse pas quelqu'un ou quelqu'une par pitié. Et aucune autre situation ne devait motiver un mariage si ce n'est uniquement l'amour. Maintenant, comment trouver cet amour? Mes frères, je vous le dis honnêtement, je suis pasteur chrétien, ça fait plusieurs années. Aujourd'hui, ça va faire plus de 25 ans. Mais je vous assure que c'est trop difficile. Parce qu'il est très facile de trouver quelqu'un qui vous dise aujourd'hui, je t'aime, ou découvrir demain qu'il ne t'aimait pas. Parce que beaucoup de choses peuvent motiver la phrase « Je t'aime ». Mais il faut que ça soit réel. Mais je connais une seule personne qui puisse nous dire si c'est réel ou pas. C'est celui qui a établi le mariage. C'est Dieu. Il faut donc commencer par prier afin de trouver la femme qu'il faut et aussi de trouver l'homme qu'il faut. C'est pourquoi Adam, avant d'avoir Ève, Dieu le fit dormir d'un profond sommeil. Ses yeux étaient fermés. Il ne savait rien. Il était dans un sommeil. Les yeux fermés.
Et quand ses yeux se sont ouverts, la femme était devant lui. Or, en général, lorsque nous prions, nous fermons les yeux. L'attitude d'Adam était symbole de prière. Et quand vous fermez les yeux dans la prière, au moment de l'ouverture de vos yeux, vous voyez votre prière exaucée devant vous. Et la femme est là, celle que Dieu vous envoie et que vous pourrez appeler l'os de vos os et la chair de votre chair. Et elle sera votre complice. Je ne parle pas seulement de votre amoureux ou amoureuse, mais votre complice. Tout ce que vous ferez avec elle. Elle sera à la fois pour vous un ami et une amie. Tout cela donc, l'un et l'autre. C'est ainsi que vous serez. Eliezer, qui avait été envoyé pour trouver une femme pour Isaac, le fils de son seigneur Abraham, allant au lieu qui lui avait été indiqué, avant d'entrer dans le village, il s'arrêta à l'entrée à côté d'une source d'eau, et là il pria pour que Dieu exauce sa prière, que Dieu bénisse son voyage et qu'il lui donne une femme qui convienne pour le fils de son seigneur. Il pria, mais il pria près d'une source d'eau. Lorsque vous priez, restez aussi près des eaux. Ne sortez pas de la parole pour aller chercher votre femme dans le monde. Trouvez-la dans la parole. Restez près des eaux, c'est là où Dieu vous bénira. Il est resté près des eaux. Il a prié. Dieu a exaucé. Et il a eu Rebecca. Le mariage devrait commencer par la prière. Ça vous permettra de ne pas vous égarer. Parce qu'on entend trop de je t'aime pour découvrir après que ce n'était pas vraiment un amour réel. Maintenant, après avoir trouvé cette femme que Dieu voulait montrer d'une façon ou d'une autre, ou que Dieu ait convaincu votre cœur d'aimer cette femme-là, comme c'est le cas pour Frère Destin ce soir, il est venu nous présenter Aliana. Son cœur a été convaincu par Dieu, sinon nous ne serions pas ici. Mais alors maintenant, il faut s'attacher à cette femme-là. Et moi je vous dis que s'attacher à une femme ne signifie pas tout simplement aller payer la dot, aller à la mairie et venir à l'église. Ça c'est des formalités. Ce n'est pas ça qui vous marie. En fait, ce qui vous marie, c'est la promesse que vous faites l'un à l'autre. L'amour que vous vouez l'un à l'autre, mais pas le reste. Le reste c'est des formalités. On peut payer la dot d'une femme très chère, mais 6 mois après on divorce, on oublie l'argent qu'on a versé. Vous comprenez? On peut dire devant monsieur le maire, j'aime cette femme, je promets de vivre avec elle. 2 ans après on divorce, le maire ne viendra jamais vous réconcilier parce que les cœurs sont séparés. Donc le vrai mariage se passe dans le cœur, là à l'intérieur, c'est là dedans, dans ton cœur, que sera se trouver à Liana. Et c'est dans le cœur d'Aliana que doit se trouver destin. Et où que aille Aliana, destin sera là, parce qu'il porte destin dans son cœur. C'est le fondamental. Si ça, ça n'existe pas, le mariage qu'on célèbre va échouer. Il faut s'attacher à cette femme. Alors, pour s'attacher à une femme, je l'ai dit,
La dot et autres ne suffisent pas. Premièrement, il faut parler au cœur de cette femme. Attention, je reviens. Il faut parler au cœur de cette femme. Je reviens. Je n'ai pas dit qu'il faut parler à cette femme. Non. On entend trop de choses. Non, je t'aime, tu sais. Je vais t'amener en France. Tu sais. Je vais te donner ceci. Tu sais. Tu sais. Ça, c'est des choses qu'on entend aujourd'hui. Demain, on les oublie. Mais il faut parler au cœur de la femme. C'est-à-dire que la femme doit constater qu'elle a trouvé en face d'elle un homme qui lui prête une oreille attentive. Un homme qui sait l'écouter quand elle est en difficulté. Il n'est pas dit qu'il doit forcément chercher des solutions aux problèmes de cette femme. Mais seulement déjà tendre l'oreille. C'est ça qui compte. Parler au cœur de la femme. Et la femme se rendra compte que de tout temps, elle n'avait jamais eu quelqu'un comme ça qui pouvait parler avec elle. C'est-à-dire lui prêter une oreille attentive. C'est ça l'important. Ensuite, il faudra maintenant entretenir la flamme de l'amour du départ. Là, vous êtes au point de départ. En tout cas, dans vos cœurs, là, il y a un grand feu. Et je sens que vous êtes en train de dire, mais que ça finisse vite, on doit partir. Parce que vous voulez vite être seul. Bon, nous vous comprenons. Mais, il faut maintenant entretenir cette flamme. La femme que vous appelez chérie aujourd'hui. L'homme que vous appelez votre amour. Il faudrait que 5 ans après, vous soyez encore capable de l'appeler chérie. Parce que je vous dis, aujourd'hui, jour du mariage, on va entendre tout ça. Tu es ma chérie. Tu es mon bonbon sucré. Tu es mon gros bébé. On va entendre tout ça. Mais 2 ans après, 5 ans après, pour réentendre ça, c'est là où je dirais qu'on a eu un vrai mariage. Mais pour entendre ça 5 ans après, il faut entretenir cette flamme. En quoi faisant? Quand vous allez vivre avec votre femme, apprenez à lui faire des cadeaux surprises, monsieur Destin. Des choses qu'elle ne demande pas. Tu reviens du travail, tu passes devant une boutique, tu vois une belle robe. Alors tu te mets à fantasmer. Tu t'imagines ta femme dans cette robe. Tu vois combien elle serait belle. Tu rentres, tu achètes la robe, tu ramènes à la maison. Tu rentres, lui ferme les yeux. Pourquoi, chérie, non, ferme seulement les yeux. Et le cadeau sort. Mais destin, ça c'est destin. On a des problèmes. Je n'ai pas demandé une nouvelle robe. Mais on a d'abord des choses à faire. Oui, je sais. Mais j'ai vu cette robe. J'ai pensé que tu seras belle là-dedans. Mon problème, on met d'abord de côté. Prends la robe. C'est moi qui te l'offre. C'est comme ça qu'on entretient cet amour. Et on entretient aussi cet amour par le dialogue. Le temps nous manquerait pour aller plus loin. J'aurais pu vous parler du langage de l'amour. Mais le temps nous manquerait. J'espère par le Saint-Esprit que nos jeunes tourtereaux comprennent bien ce que nous avons essayé de dire. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire ceci. Nous croyons, et moi je le crois devant Dieu, que Destin n'est pas venu ici avec la femme de son prochain. C'est sa propre femme. Sinon je ne serais pas ici pour venir ce mariage. Personne
personne ne doit toucher à cette femme désormais. Parce que désormais, cette femme appartient à destin. Si tu touches à Aliana, tu touches à la femme de ton prochain. Tu brises un commandement. Amen. Amen. Mais ce n'est pas tout. Une dernière chose. Dans ce deuxième commandement, il y a quelque chose d'assez bizarre. Je ne sais pas trop pourquoi Dieu l'avait placé comme ça. Et pourquoi il avait écrit et dit ainsi. À cette époque-là, déjà au temps de Moïse, il dit, tu ne toucheras pas la femme de ton prochain. Tu ne toucheras pas la maison de ton prochain. Tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas au champ de ton prochain. Ni à son serviteur. Ni à sa servante. Ni à son bœuf. Ni à son âne. C'est bizarre. Il cite cette chose qu'on ne doit pas faire. Sinon vous brisez le dixième commandement. Mais c'est un jeu de puzzle qui est là. Alors reconstruisons l'image. Reconstruisons le puzzle. Alléluia. Alléluia. Cette chose qu'il cite, ça nous rapporte aux sept anges de l'église. Dans l'ange d'Éphèse, dans l'ange de Smyrne, nous étions au commencement. C'était le serviteur et la servante. On ne doit pas y toucher. Dans l'ange de Pergame, ils ont entendu trop de voix. C'était au concile de Nicée. L'organisation a commencé. Ils ont entendu trop de voix. C'était quoi? L'âne avec ses longues oreilles, toujours en train d'écouter ça et là, au lieu d'écouter ce que Dieu dit. Ça c'est l'âge de Pergame. Dans l'âge de Tiatir, tu ne toucheras pas au bœuf de ton prochain. L'âge de Tiatir, l'âge du bœuf, l'âge du sacrifice, l'âge du labeur. Parce que les chrétiens étaient martyrisés. Il fallait être un bœuf. Oh, amen. Dans l'âge de Sardes, c'était la maison de son prochain. Dans l'âge de Philadelphie, c'était le champ. Le champ. L'âge missionnaire, c'est l'âge de Philadelphie. L'âge de Wesley, c'est dans cet âge-là qu'est née l'armée du salut. Qui courait ça et là pour gagner des âmes à Christ. Mais dans le dernier âge, dans l'Odyssée, il dit, tu ne toucheras pas. À quoi? À la femme de ton prochain. C'est-à-dire c'est l'âge de l'épouse. Aujourd'hui c'est l'épouse qui est appelée. Satan ne doit pas toucher l'épouse de Christ. C'est le dixième commandement. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.